Il est 18h, il fait 32 degrés, c'est un temps idéal pour aller faire un peu de ski nautique sur la Seine. Vous le voyez, on est équipé et je ne vous le cache pas, je n'ai qu'un seul objectif, tenir plus de 5 secondes sur ces planches. C'est parti. Bienvenue Renaud. Merci. Bienvenue à bord. Je prends ça. On va te baptiser, ça ta va. Première leçon de ski. Ce que je vais te donner là, c'est un palonnier. Tu le prends dans la main, les pouces en dessous, les mains à chaque extrémité. C'est comme ça que ça se tient, les mains. D'accord. On va chausser les skis sur le ponton. Voilà. Dans l'eau, pour tenir dans l'eau avec des skis aux pieds, c'est cette position. Groupé. Les pieds sous les fesses. Ça, c'est pour le démarrage. Pour le démarrage et pour tenir dans l'eau. Quand je vais tendre la corde, il ne faut pas déplier les jambes, il faut que tu restes groupé, sinon tu vas basculer. Dans l'eau. D'accord. Okay. Allez, on enlève les skis et on va faire ça sur l'eau. Voilà. Il y a 18 mètres derrière nous. Une corde de ski, ça mesure 18 mètres. Mon père nous a mis, mon frère et moi, sur l'eau dès l'âge de 5 ans. Nous avons fait de la compétition jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Pour des raisons professionnelles, nous sommes arrivés sur Saint-Cloud fin des années 90. Et il n'y avait plus du tout d'activité sur ce plan d'eau, sachant que c'est le plan d'eau où s'est créée la Fédération française de ski. Donc la fédération, sachant que nous étions dans la région, nous a demandé et nous a aidé à relancer l'activité ski nautique sur ce plan d'eau. Aujourd'hui, combien vous avez d'adhérents ? Alors, nous avons 100 adhérents au club et nous arrêtons volontairement, à 100 adhérents pour des raisons de bonne pratique, parce que si nous sommes trop nombreux, comme vous le voyez ce soir, en une heure, on tire 4 skieurs. J'ai 20-30 personnes le soir. Si j'en ai 50, ils pourront pas skier, donc c'est pas jouable. Combien coûte la cotisation annuelle ? 210 euros. 210 euros. Et est-ce que c'est possible de venir ponctuellement pour en faire ? Alors, ponctuellement, quand vous êtes membre, oui. Si vous n'êtes pas membre, non. Par contre, on vous fait faire ce que nous appelons un baptême pour voir si ce sport est susceptible de vous plaire, si le club est susceptible de vous plaire au niveau de l'ambiance, et après, vous adhérez en toute connaissance de club, de cause, vous adhérez au club. Je vais essayer de répondre très vite à quelques questions que vous pouvez vous poser. Oui, la Seine est plutôt chaude, elle est à 22-23 degrés. Non, elle n'est pas si sale que ça. En revanche, le ski nautique, c'est assez physique. Je vous assure que 10 minutes après, j'ai encore les jambes qui tremblent un peu. Et enfin, je vous le promets, je ne me suis pas entraîné jour et nuit pour ne pas me ramasser devant vous. Allez, à la semaine prochaine.